En 2006, un marché est passé avec l'entreprise Tipsteyi afin de libérer la zone parc à charbon avec ses deux cheminées de 125 mètres de haut pour permettre la construction de trois turbines à combustion. Le chantier de déconstruction d'une durée de 12 mois a débuté en mai 2006 et s'est achevé en mai 2007. Les travaux réalisés ont fait appel à du personnel qualifié ayant des compétences très diverses. Scaphandriers, cordistes, désamianteurs, artificiers, chalumistes. Foreurs et autres chauffeurs d'engins. Afin de mener à bien les travaux, une grande quantité de moyens matériels spécifiques ont été mis en œuvre pour cette opération.